signifie? Vous avez remarqué, elle a plus son air débile. Attends. Moi, je suis très forte pour voir ça. T'énerve pas, ma grande, hein. On va t'acheter une rose. On va t'acheter tout en stock, si tu veux. Oui, alors on va pas se fâcher pour une bête histoire de rose, hein. Regardez comme elles sont belles, Jules. Vous m'en offrez une? Mais bien sûr, bien volontiers, mais elles sont très bonnes. En plus, elles sont faites pour vous. Fermez-la, j'ai dit tous à votre place. Être susceptible comme ça parce qu'on lui a rien acheté, ce n'est pas de la commerçante. Chut, c'est une psychopathe, j'ai connu des cas comme ça. Alors, on passe une bonne soirée. On se remplit le ventre auprès de la princesse. Vous êtes une princesse? Mon Dieu, quelle conne. Remplir le ventre, c'est vite dit, on n'a pas encore bouffé. Ah bah justement, je me posais la question tout à l'heure. Si la soirée était à nos frais ou au sien? Ah bah elle nous a fait venir, elle peut bien payer l'apéritif, c'est la moindre des choses. Alors le prochain qui l'ouvre, je le bute, c'est clair? Je vous ai observé toute la soirée, vous êtes pathétique, minable. Et je sais tout sur vous. Vous êtes de la police? Oh non. Non, ce serait même plutôt le contraire. Vous êtes une voleuse? Non, ça m'étonnerait pas. Les commerçants, c'est tous des voleurs. Ils vendent plus cher qu'ils achètent. Oh, t'en as jamais marre d'être con? Ni voleuse, ni commerçante. Mais qui êtes-vous, enfin? Mais je vais vous le dire, enfin si toutefois vous me laissez en placer une. Mais quel est le rapport avec nous dans ce que vous dites là, ici? Mais là, j'ai encore rien dit là, maintenant. Ah oui, c'est exact, pardonnez-moi. Mec, cette danse, c'est complètement dingue. Tout à l'heure. Bon. Je vous ai demandé d'être amis. De vous entendre. Pour assister au mariage de ma sœur. Je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour vous qu'on vienne au mariage de votre sœur. C'est un côté un peu malsain, non? Nous confronter à elle, vous trouvez pas? Ah, est-ce que vous pouvez être crédule? Ben, si je veux que vous veniez au mariage de ma sœur et de Quentin, c'est pas pour lui faire plaisir. Non, non, c'est pour qu'il recouche avec l'un d'entre vous. Et que vous pourrissiez la cérémonie. Pardon. Afin d'annuler ce mariage. Ah, c'était pour ça. Ah, d'accord, oui, alors d'accord, alors d'accord, ben c'est plus clair à présent, parce que c'était flou avant, hein. Mais je ne peux même pas compter sur vous. Alors, je vais tous vous exterminer. Allons bon. C'est pas très gentil de faire ça. Non mais n'importe quoi, ma grande, t'as la sœur elle qui part en couille. Oui, si, si, je vais tous vous buter. Car tel est mon désir. Mais n'y a-t-il pas des moyens un peu moins radicaux? Parce que vous avez un côté effroyablement jusqu'au boutiste, hein, vraiment. On peut en discuter quand même, non? Ah bah bien sûr, absolument. Ah, bah, moi déjà, je connais le psy d'Isabelle Adjani, je peux se bien avec lui, mais hein. Mais taisez-vous! Mais vous ne vous taisez donc jamais! Taisez-vous! M'exaspérez! Voilà. J'ai envie de chanter une petite chanson, Pablo. Parisien, va niquer ta mère sur la canne de bière. Parisien, va niquer ta mère sur la canne de bière. Ma grande, t'as un pet au cerveau, on le sait tous maintenant. Mais nous, on n'a rien à voir avec tout ça, hein.